Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Donc, on est parti pour reprendre Nikra. On s'est arrêté donc au chapitre 4. Discovery. Bien sûr. On avait récupéré l'intelligence artificielle, notre pote bêta. On va voir où ça nous mène. Faut juste appuyer sur le côté, pas vers le haut. Drop des points. Est-ce que c'est donc là que je dois poser bêta? Initialisation complète. Finalisation des programmes. Initialisation du chemin de Rodal. Scan du radius. Activé. Cible trouvée. Commencer toutes les procédures. Disconnecter du mur. La porte sera déverrouillée après avoir atteint 50% d'intégration. Le contrôle, c'est hyper drôle avec la projection construite à travers l'interface. Veuillez vous aventurer dans cette pièce. Voilà, bon Twitch anniversaire, merci beaucoup Théo. Merci pour les 3 ans de la chaîne. Avec Twitch Prime. Et bon anniversaire Théo. Comment ça va? Bien sûr, on va s'entraîner. Veuillez commencer la procédure d'entraînement. Oh là là. Incroyable. Non, là, je comprends plus rien. On arrive à 50% avec ces conneries. Où il va? C'est pas clair. Ça va, je suis un peu tout éclaté, je suis un peu tout mou là. Je sais pas trop pourquoi. Pas diffuser ces œuvres les dernières, bien évidemment. Oui, non, enfin si, il y a de la musique est assez cool. Là, il y a juste un moment de chill où il faut réussir à calibrer le robot. On arrive à 50%. C'est quoi qu'il aime pas, faut que j'arrive à faire de diagonale, c'est ça? On va sauter partout, ça a bien marché au bout d'un moment. Oui, c'est vrai que l'année dernière j'avais zappé, hein. Je me souviens.
Et coucou Vincent, comment tu vas? Allez! J'ai pépé. C'est bon. Plusieurs semaines, je suis éclaté, ouais. Bienvenue au club. Oh. Intégration de bêta à 50%. Réutilisation du speech neuronal. Parle. Bêta. Je vois. Bêta n'est pas sûr de qu'est-ce qui est son nom. Est-ce que c'est Tana? Oh non, c'est KU. C'est cool de te rencontrer, Eo. Bêta ne sait pas quoi répondre. C'est ok. Tu as juste de naître. Bêta était né? Ouais, juste maintenant. Je suis dit, il y a pas si longtemps aussi. Bêta ne comprend pas tout. C'est ok, mon petit pote. Bêta est autorisé à accéder au terminal de bêta. Est-ce que tu m'entends? Eh-oh. Je vois. Et au terminal. Ok, j'ai le moniteur et le display. Oh là là, il y a plein de petits trucs. Et du coup, t'inquiète Vincent, hein, pour les lives Lost Planet. Il y a les VOD et puis on n'a pas fini encore. Hein. Je sais pas où on en est, mais... Le moniteur et le display. Oula, qu'est-ce que je fais? Mais non, mais. Ah! La manette. On active tout. Et ça, c'est pas installé. C'est pas installé. Ça, c'est pas installé. C'est bon. Je crois que c'est bon. Suis pas très sûr de ce que j'ai fait. Bon, on verra. Du coup, si jamais vous connaissez pas le jeu, c'est un petit jeu d'exploration 2D pixel qui du coup a été développé par une seule personne. Sur 8 ans, ça en fait du taf. Et donc c'est sur jeu, hein, surtout un petit jeu d'exploration chill. À base de lore, de compréhension d'univers et de questionnement sur soi. Ah si, c'est vrai. Il faut le taper. Donc ça revienne. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas retourné sur Nycra. Il faut qu'on arrive à l'envoyer... L'envoyer que droit. Ok, bon. Visiblement pour l'instant, on peut pas, à moins que lui il puisse avec sa surcharge là. Merde, non, c'est pas ce que je voulais faire.
Voici les autres portes. On verra ce que ça donne. Bah sinon quoi de neuf? De votre côté. On va essayer d'aller par là. Quoi, c'est bon, je l'ai fait? Je l'ai fait. Quoi? Non, mais je l'ai quand même pas fait au pif. Peur. Nous m'assois dans la lumière du jour, depuis les escaliers binaires, absorbant ce qui arrive. Aujourd'hui aurait dû être une journée d'enjaillement, de joie et d'amour. Mais à la place, aujourd'hui est le jour que je crains le plus. L'effondrement inévitable de l'univers autour de moi, et la douleur infinie qui va arriver. Comment pourrais-je survivre à autant de souffrances? Ne m'a-t-on pas appris comment la douleur ressentir? T'es trop fatigué pour faire de la trad, là. Pourquoi est-ce que la peur se manifeste de pensées aussi, aussi alarmantes? J'ai envie de respirer et de sourire. Pas de questionner toutes les secondes qu'il me reste de l'absence de douleur. Pas seulement ça, mais certainement beaucoup d'autres ne comprendront pas. Vous voyez, pour que cette paix, pour que cette douleur, vous voyez, cette douleur est infinie et spéciale pour moi. La folie m'a laissé plein de questions. Et s'il y a une existence où je peux seulement être un esprit dans un ordinateur. Entouré de plantes, de vent, et bien sûr du soleil qui m'envoie sa chaleur. Laissez-moi vivre, pour toujours, sans la peur et la souffrance. Une petite nuit à dormir debout, un petit moins 7, sympathique. Bien, rien dormi, putain tu m'étonnes. Aïe. Bah attendez, est-ce qu'il y a une histoire avec cet ordinateur ou est-ce qu'on l'a réussi? Visiblement. Ah mais merde. Visiblement, on est bon. C'est rigolo. C'est rigolo, Théo. Yup. Une petite minute. Ah oui, il y avait une autre porte ici. On y était allé là? Ok. Bon, allons par là. Le truc qui te suit, c'est un petit robot qu'on a activé dans ce complexe. Et du coup, qui va nous aider à aller un petit peu plus loin. C'était lié à une grosse intelligence artificielle qu'on a désactivée dans le complexe. Parce qu'elle nous l'a demandé. Parce que finalement, ce n'était pas une intelligence artificielle, mais c'était un dieu d'une autre dimension qui avait été cloîtronné dans une espèce d'énorme complexe et qui demandait donc d'être libéré.
Non mais d'accord, mais... Ah mais d'accord, si on tape les portes, ça marche. Très bien. Bah attendez, avant de continuer. Du coup, visiblement, si on va trop loin, il se déconnecte. Donc si on a juste à l'envoyer dans la porte... Ah mais il y en a 40 000, je crois, des portes, non? Il y avait pas un délire comme ça? On va voir. De toute façon, on n'est pas pressé, hein. N'est-ce pas? Alors, deux petites secondes. Ah merde. Attends. C'était là. Il faudrait juste faire ça plein de fois, quoi. Pas de problème. Réveillez-moi quand c'est fini. C'est si long. On y est presque, hein. Plus que 3, j'en suis sûr. Ou pas. Moi aussi, c'est bientôt fini. Bien entendu qu'on fait pas ça pour rien. C'est le dernier, non? Ah non, c'est bon. On a fini! Sinon... Ok. Bon. Espèce de salle d'expérimentation. Ok. C'est beau. On dirait que nos chemins se sont finalement croisés. Nous savions que tu réussirais ce voyage.
Ne sois pas effrayé de ce que tu vois. Cette place que tu vois s'appelle Homeworld. C'est la 27e dimension de l'espace. Il y a des structures de tous les plans astrales. Profite de l'imagerie que tu vois devant toi. On sait que tu n'as pas beaucoup de temps à perdre. Donc on fera en sorte d'être bref. Toi et moi, nous sommes rencontrés durant ta manifestation. Je suis Néa. Tu es Kiyu. Je suis certainement différent parce que tu nous as visités. Parce que tu nous visites dans ton propre, ta propre dimension spatiale. Stargate SG-Tron. Donc s'il te plaît, ne te laisse pas distraire ou rentrer dans une confusion. Nous sommes appelés les observateurs. Nos compétences sont minimales dans l'heptaverse. Comme notre titre le suggère, nous ne pouvons seulement qu'observer. Mais toi, tu es un de ceux qui sont spéciales. Toi, mon petit, es un enfant de Nenox. Des êtres qui sont capables de manipuler l'existence. Tu es le pont entre nous et l'heptaverse. Et l'un de nous, en particulier, aimerait dire quelque chose. Bonjour, Kiyu. Nous sommes aussi rencontrés il y a un petit moment. Ah, mais c'est Alpha. Je n'ai pas l'air très familier. Je le comprends. Mais ma chère Kiyu. Cher gentil Soul, je suis Ven. D'accord. Je suis content qu'on peut enfin se rencontrer dans la même dimension. J'aimerais juste te dire merci. C'est tout. Ouais, donc c'est bien ça, c'est l'intelligence artificielle qu'on avait libérée. Comme je le disais, cette conversation sera baf. Surtout parce que bah, tu peux pas nous répondre. Nous observons absolument tout dans cette existence. Et on enregistre tout pour éviter les problèmes. Et comme tu l'as déjà expérimenté, quelque chose... va très très mal. Le timing est absurde. Et on a besoin d'assistance. Donc s'il te plaît, écoute attentivement. Nous voyons les symptômes, mais pas la cause. Une manifestation obscure qui dérange la vie. Des vies qu'on n'a aucune compétence pour la combattre. Nous avons besoin de toi pour trouver d'où elle provient. Nous avons quelques idées. Mais certains endroits sont inaccessibles même pour nous. Dorénavant, trois planètes sont déconnectées du network Boldemo. Tu vas devoir trouver un architecte talin pour pouvoir avoir accès à ce réseau. C'est tout. Nous allons maintenant te renvoyer à Mexulta. Souviens-toi de nous. Souviens-toi de ce qu'on a dit. Trouve l'obscurité. Trouve la vérité. Sois nos yeux. Transformation. Chapitre 5, le but. Je suis Nono, le petit robot. Beta a besoin de savoir si Kiyu va bien.
Oui. Je crois que je vais bien. Beta, mais qu'est-ce qui est arrivé? Beta a senti une connexion à une force externe. Kiyu et Beta ont été relocalisés exactement à 4,856 exposants plus 40 Planck de leur position originale. Beta pense que l'heptagone, la structure heptagonale que Beta a activée a certainement servi de porte. Bah. Ouais, mais ça j'avais deviné, mais. Merci mon cœur. Je me souviens de quelqu'un qui m'a parlé du cube Boldemo. Beta, est-ce qu'on a la faculté de scanner? Est-ce que tu as la faculté de scanner jusqu'au prochain Boldemo? Beta a détecté. Une certaine quantité de Némière à peu près 4,856 exposant plus 37 Planck sur la gauche. Oh, ça tombe bien. Beta est content que Kiyu est contente. Eh ben, on va devoir y aller. C'est parti pour aller vers la gauche avec notre pote Beta. C'est beau. Du coup, tu connais pas du tout le jeu, Vincent, j'imagine. Je sais pas si du coup t'avais vu les. Ah bah il est là. Parfait. Faut qu'on aille où? Merde! Je sais pas où il faut que j'aille. Je sais plus. Les VOD précédentes, ok. Pour faire simple, on est un être qui du coup a. Le système. Attends, c'est quoi le premier qui nous offre? C'est là où on est. Bon, on va aller là. Si du coup, t'entrais à la vie comme ça. On s'en rend compte qu'on est plus ou moins des êtres liés à des espèces de grands dieux d'autres dimensions. Et on va essayer de sauver la vie d'une espèce d'obscurité rouge-noire qui contamine un petit peu tout. Et qu'il faut réussir à calmer. Cette découverte, Irnem sèche. Mais tu es là ! Finalement, la prophétie s'est réalisée. Quoi? Venez par ici, enfant de Lux. Tu dois rencontrer la grande matriarche tout de suite. Mais je suis où? Mais... Il a des pop. Oh non, s'il y a encore des codes écrits partout... Ah, oh, c'est blanc, ça fait... Ça défonce les yeux. Attends, mais c'est une vision du passé? Peut-être qu'il est mort depuis le début. Le fameux Auschwitz. Oh, c'est beau! La vérité arrivera un jour. Oh non, pauvre Beta. Mais qu'est-ce que tu fais? Parfois les choses ne vont pas comme on l'entend. Ah bah ça va être elle, la matriarche. Tu peux apprendre beaucoup si tu le veux.
Il y a un type, il s'est sorti les doigts, il a pondu ça tout seul. Ouais, ouais, ouais. Non, non, c'est impressionnant, hein. Le taf qu'il y a derrière. Hein. Et le mec, niveau pixel art, il dose. Hein. Mais... Oh! Oh, bienvenue! Oh, tu dois être Kiyu! Oh, c'est si bien de te rencontrer enfin en personne. Je suis Anomera, la matriarche de ce secteur du RNM. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Nous avons reçu un mot que l'enfant final de Linox est arrivé pas loin de cet endroit. Je ne sais pas si c'est vraiment dirigé vers moi spécifiquement. Oh, tu es venu du cube Boldemo, c'est ça? Bah oui, mais... Ah, tu n'étais pas au courant que tu étais le dernier enfant de Linox. Je vois. C'est important? Ah, mais c'est ce que je dirais. Nous allons dire que nous n'y attendions pas. Tu vois? Oui. Ton arrivée est... Il est malheureusement trop tard. Trop tard pourquoi? Pour trouver Evocref. Personne ne t'aide à parler? On me dit il y a beaucoup de choses. Hein. J'en ai, du coup, bon, c'est un peu dur de s'en souvenir, hein, surtout quand ça fait 3 jours que j'ai pas touché au jeu. Ah, je vois. As-tu entendu parler des Evocrefs? Non. Non. Bizarre. Ah, peut-être que du coup, t'as d'autres réponses si t'es allé ailleurs et qu'on t'en a déjà entendu parler. Ah, oh, c'est bizarre. On m'a dit que... On m'a dit que c'était quelque chose que les observateurs allaient expliquer au prochain enfant de Linox. Je ne sais pas ce qui est en train de se passer ici. Et qui est ou si c'est ton nom? Est-ce que tu sais d'où tu viens? Je suis de la planète Maldis. Et j'ai été fait par Néa. Et pourtant, tu n'as pas été... On t'a pas raconté à propos de la raison pour laquelle tu es ici. Pour trouver Evocreat. J'imagine que bah, j'ai fait comme ça. Hein. C'est bon. Hein. J'ai fait comme j'ai pu. Mais ça voudrait dire... Et qui est eu? Est-ce que tu as déjà rencontré un être d'obscurité? Certains disent qu'il a des griffes qui apparaissent et disparaissent. Est-ce que j'ai vu un être de... Yes, yes, avec beaucoup d'espace. Mais, quoi? Pardon? Ok. Donc c'est l'exorciste maintenant? Et j'ai pas souvenir d'avoir vu en fait un être de... Un être de l'obscurité, on a vu que des trucs un peu bizarres mais... Classique quoi. Bizarre. Ok. Togo Fight. Bienvenue à Confide. S'il vous plaît. C'est quoi ce message? Putain, nous est compté. Au bout de combien de... Après combien de temps est-ce que tu vas continuer à essayer au lieu de vraiment le faire? Est-ce qu'il me parle à moi? Beta pense. Un jour tout va changer. Tu n'as pas d'autre choix que de suivre ton chemin. C'est le chemin que tu choisis à la fin. Mais de quoi parle-t-il, Kiyu? Tu peux critiquer, questionner, te plaindre, ou essayer de t'arranger. Mais ton chemin a été choisi. Toutes les questions seront répondues en leur temps. Toutes les questions seront répondues à la fin. Ok. Kiyuki. Ouais, mais là, je peux pas passer. Hmm.
Ok. D'accord. Chapitre 6, vérité. Oh non, on a perdu... On a perdu Bêta. Comment tu vires l'obscurité avec des trucs d'énergie? On en avait, mais là, on en a pas. Un architecte ptalin. Je suis l'un de ceux qui a forgé cette réalité. On a essayé de faire ce qu'on pouvait pour garder tout le plus stable possible avant que tu arrives. Mais les fondations de cet univers sont vieilles. Et bien sûr, ce qui a rendu le tout inefficace. On peut le réparer, mais ça a besoin de temps, et qu'on n'a pas. Anna, nous sommes profondément désolés pour la confusion que nous avions causée. Mais ce n'est pas mon nom. Ah bon? Mais t'es pas la bonne personne, casse-toi. On m'a dit que je m'appelais Kiyu. Intéressant. Je me demande pourquoi les observateurs ont fait ça. Je me demande si ça a affecté tes choix. Quand en fait je t'ai appelé par ton véritable prénom, Tana. On dirait que quelque chose m'empêche de le faire. J'ai une question, si ça ne te dérange pas. Est-ce que tu te souviens de quoi que ce soit avant que tu étais placé sur la planète Maldis par Néa? Non, pas vraiment. À part mon nom, ce collier, j'ai rien de plus. Et bah attends, on me dit que mon nom n'est même pas Kéu. La boulette. Et en tant qu'architecte du Nikra, c'est mon devoir de garder la structure et l'ordre. Mais on dirait bien que la peur intérieure veut une conclusion différente. Où sommes-nous? Nous sommes sur la planète Irn. Bêta n'est pas sûr. Parce que la fabrique de l'espace-temps apparaît comme étant cassée. Là, si tu vois cette vidéo, ce que tu pourrais avoir fait des architectes. Putain d'ingénieur de merde. Il est temps que tu visites ta planète natale, Cornem. Quoi? Cornem. Ah, ta planète natale, Cornem. D'accord, je crois que si j'avais encore un troisième prénom, j'en sais suffire. Cornem est la planète sœur de celle-ci. Mais elle est morte. Il y a des millénaires de cela. Mais peu importe. Le portail Aenox derrière moi va te lier avec l'Optacote. La machine d'observation qui est ici. L'Optacote. Regarde à travers les cubes Boldemo et autorise les architectes comme moi à regarder vers les autres planètes. Est-ce que tu sais pourquoi certains de ces gros cubes ne sont pas accessibles? Les cubes Boldemo sont des cadeaux. Nous avons donné à des planètes. Dans l'espoir que ça permettrait de rendre Nikra plus uni. Et malheureusement, ils ont été abusés. Par des êtres qui les utilisaient pour la guerre et le chaos. Nous avons donc diminué l'utilisation de certains êtres choisis par nous, les Ptalins. Ce qui du coup n'était pas forcément une bonne idée. Les gens sont complexes, Tana. Il est impossible de faire en sorte que tout le monde soit content tout le temps. Comme je le disais avant, nous nous excusons pour les problèmes occasionnés. Qu'est-ce que je fais exactement? Connecte le Anox à l'intérieur de l'Optacote, à travers le portail derrière moi. D'accord. On pourrait maintenant se remanifester
vers la planète, le Boldemo cube, le cube Boldemo de la planète. C'est tout? Oui. C'est juste une petite upgrade. Je vois. Comment est-ce que ça se connecte à Beta du coup? Beta ne comprend pas ce qui se passe. Cette mécanique a été demandée par les êtres Modvik et de Mexulta, il y a déjà cela un petit peu de temps. Mais on dirait qu'elles ont détruit leur cube à Enox en essayant de faire l'heptaporte par laquelle tu es passé pour aller voir les observateurs. Donc j'imagine qu'ils sont restés fidèles à eux-mêmes et ont construit le mécanisme à l'intérieur de Beta. Malgré tout ce que tu as pu entendre, les Modviks ont une terrible histoire, malheureusement. Et du coup, il y a un point d'interrogation maintenant pour son... Merde ! Putain, je voulais pas passer le dialogue. Dommage. Donc c'est juste un système de menu de Beta ? Ah oui. Je pense que c'est la troisième option pour Beta, qui contrôle l'aperture. Je comprends. Le bol démo de Cornem a été reconnecté. Donc quand tu retourneras à Inerm Boldemo, tu pourras directement aller à Cornem. Quand une fois que tu seras à Cornem, le Boldemo est à côté du site de Gnarcier. Fais attention. Que la chance soit avec toi, Atona. J'attendrai de te revoir dans cet univers chaotique. Tu es pas sûr que ce soit mon nom ou pas? Dire que quelque chose ne va pas. Et du coup, je fais quoi maintenant? Ah, il faut juste que je retourne au cube Boldemo, là. Et donc, il y a eu s'afficher, j'ai cru que son nom se prononçait Q. Courage que, tu vas y arriver. Ah, quoi? Il faut que j'utilise lui là. Aperture, c'est pas ça. Hold to wrap, c'est ça. Oh là là, ces animes. Ces animes de beaux gosses. Il faut qu'on aille à Cornem là. Corben Dallas. Mais c'est où? C'est là qu'il faut aller? Ah oui, planète Cornem, c'est ça. Je voyais le système et j'avais pas vu. Cordem l'a rouillé. Wow. Je me sens si légère. Beta détecte que la planète Cornem a une densité plus faible... a une densité faible de manteaux et de noyaux. Ce qui lui permet d'avoir une gravité plus faible. Malgré... les textures... similaires aux éponges à l'intérieur des... de la planète. Mais depuis quand est-ce que tu sais tout? C'était une blague, ne t'inquiète pas. La Beta détecte un signal audio qui a été envoyé depuis cette machine dans la pierre. Ah! Allô, bonjour? Est-ce que quelqu'un de connecté nous entend? Ah! Désolé, je m'étais endormi. Oui, bonjour. Je sais que ça a l'air un peu suspicieux, mais je vous assure que c'est pour des raisons de sécurité. Vous pouvez venir en bas et me rencontrer avant que
Before that large block pillar in the distance. Devant ce large pilier noir. Ah, devant ce large pilier noir, d'accord. C'est sympa si l'architecte avait mentionné une autre personne sur cette planète. Ah, c'est donc comme ça que je suis venu ici à temps. Je vois. Oui, ce patelin fait ce qu'il a envie. Mais donc, qui es-tu? Est-ce que c'est ici que je devrais être? On fera les introductions plus tard. Viens me rejoindre dans la zone. Et désolé pour le dérangement. Il y a beaucoup de choses par ici. On essaie de pas trop faire attention. C'est donc en bas de cette falaise? Oui, les choses commencent vraiment à tomber de partout sur cette planète. Tout ira bien. Tu ne prends pas de dommages de chute de toute manière. Il est où Nono, le petit robot, on l'a perdu ? Visiblement. Bon, tant pis. Une console log. Ils n'ont pas d'autre choix que de se rendre. Face à notre force, l'ennemi n'a aucune chance. Nous sommes trop puissants. Ce sont des aliens. Ils sont les moins que rien. Des moins que nous. Ils n'ont pas le même pouvoir que nous étant une planète. Et je suis votre chef. Tous ensemble, nous combattrons les aliens. Ne voulez-vous pas assister à notre grande victoire? Nous serons triomphants. La planète continuera à fleurir. On a déjà vu ça, non? C'est une chose. Bah oui. Mais oui, mi, d'accord. Ok. Bon, très bien. Oh, c'est toi? Ah oui. Re-salut. J'en ai quelques-unes de ces radios. J'avais besoin de reclarifier que quand on s'est donné rendez-vous devant le pilier noir, l'obélisque noir, je voulais pas parler de celui-là. Tu vois, il est entouré de supports en bois. Ils sont laissés par des matériaux bol. Les angles sont particuliers. Mais je vois comme une espèce de grande tour noire. Bien sur la droite. C'est Moriem. C'est exactement là où tu devrais aller. Beta détecte une fluctuation grandissante de niveau de Gnarcier et de Némiar. C'est une mauvaise chose? Beta ne sait pas. Beta est juste bon à détecter des choses. Mais oui, c'est vrai. Mais oui, tu l'es. Ces structures jaunes et ces obélisques. Cette planète est actuellement la première planète que j'ai designée étant plus jeune. J'étais cet enfant silencieux à l'arrière de la classe et qui dessinait des symboles bizarres à l'arrière de leur bouquin. Est-ce que ce serait pas finalement un peu le dev qui nous parle? Du bon temps. Mais peu importe, je suis juste devant. Ah ah ah. Je suis sucre à Beta. C'est qu'il est sympa, Beta. Oh là là. Sibyl 77. C'est le nombre de renaissances que tu as eu jusqu'à maintenant. J'ai l'impression que je dois t'autoriser à poser une question. Une seconde. Laisse-moi juste en faire une pour toi.
un moment. Est-ce qu'il y a quoi que ce soit que tu voudrais savoir? Qu'est-ce que n'y croit? L'année est 2119. Et Nikra est une machine de thérapie développée par moi-même. Ah, oups, je viens de réaliser que la question que je viens de faire était une typo. Désolé, mes doigts déplacent si lentement parfois. On a un thé, Itana. Est-ce que j'ai seulement droit à une question répondue? Posée? Oh, désolé, l'éditeur de dialogue que j'ai fait est vraiment fragile et délicat. C'est un miracle que tu arrives à voir tout le texte, maintenant que je suis honnête. Et tu sais ce qui est cool? C'est juste le début. Mais tu n'as pas dit que c'était la fin? Oh oui, mais ça c'est pour différentes raisons. C'est le début de toute ma création. Tu vois, j'ai fait cette existence quand j'étais en train d'apprendre comment à faire l'existence. Et quand tu... Ah bah tiens, voilà. Ouais, c'est vraiment le dev, ouais. Quand tu fais quelque chose... Quand tu fais quelque chose pendant que tu es apprendre à toi-même comment le faire, pendant 8 ans, et bah la chose commence à devenir un peu bizarre. Encore, je suis vraiment surpris que ça fonctionne. Je vois. Et donc maintenant? Et maintenant, je crois qu'il est temps que tu récupères la clé pour Morienne. Le grand pilier là-bas? Moriem est un abri, est un entrepôt pour ceux qui font part de cette existence. À l'intérieur, il y a une console qui te donnera accès à des pods. La deuxième moitié de la clé est juste à l'intérieur. Et pourquoi est-ce que je suis pas venu ici d'abord? Écoute, il n'y a pas tout qui fonctionne comme on veut. Ce qui est important, c'est que tu as besoin d'accéder au pod correct. Est-ce que tu arrives à deviner quel nombre c'est? 7, 7, 7. Bah 7. Je crois que j'ai fait ça un peu trop facile. Hein. Mon cher nombre 7. Si tu y accèdes, tu seras amené vers Evocrete. Est-ce que ce n'est pas l'endroit? C'est où la manifestation de ta peur réside, oui. L'ange noir, Inéae, noir et rouge, celui-là. Est-ce que je ne peux pas y aller? Bien sûr! Voldemort est un petit peu dur à accéder. Donc si tu as envie de faire demi-tour et accéder à d'autres et visiter d'autres planètes. Et c'est pourquoi j'ai ajouté la possibilité d'avoir des heptaverses séparés. Heptaversi. Donc je peux juste rester ici si j'ai envie. Et ne pas affronter la sombre peur à l'intérieur de toi, bien sûr. Je ne peux pas te forcer à faire quoi que ce soit. Enfin, je peux faire en sorte qu'il y ait certaines choses. Mais c'est toujours toi qui choisis à la fin. Que se passe-t-il quand je rencontre la chose à l'intérieur des Evocrete? Bah, je vais pas te spoiler tout pour toi, hein. Où serait le fun là-dedans? J'adore créer des expériences flashy excitantes. La surprise fait partie du fun. Je n'ai pas besoin de te sortir mon... merde, les ADHD, c'est les... c'est pas l'éthique, c'est des complexes. Essayez de trouver quand même la traduction correcte. Des troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est mieux. Donc j'ai besoin de me sortir de ce trouble pour que j'arrive à écrire des histoires plus cohérentes. Mais peu importe, maintenant je vais devoir te laisser te débrouiller. Je vais peut-être du coup
être là, par-ci, par-là. Donc fais pas attention à moi. C'est cool. Donc on a le développeur qui est Endexa sur Twitter. Qui donc nous fait un petit coucou, un petit caméo. C'est un endroit, de... c'est une cachette vraiment tout à fait nulle. Hein. Et tu n'es pas là ? Oh oui, si, si, je suis, désolé. J'ai un millier de choses qui arrivent à la fois. Désolé, hein. Excuse-moi. Mes deux amis qui sont en train de garder Moriem n'aiment pas être disturbés de manière si, si abrupte. Tes amis ? Enfin, c'est peut-être un peu vite fait. Hein. Est-ce qu'une IA que tu as fabriquée compte comme un ami ? Ça fait un... Ça sent... un petit peu triste quand même, mais... Bon. Peu importe, ils savent que tu arrives. Oh. Ça doit être Moriem. C'est correct. Yalok est d'or. EDG a dit que tu serais ici. Mais ne t'inquiète pas. Nous allons pas commencer à te sortir des devinettes. Ouais. Oui, oui, j'imagine que ça reprendra. Qu'est-ce qui est marron et bâton ? Mais vraiment, je lui ai dit justement que j'allais pas commencer à faire des énigmes. Oui, ça le rend encore plus drôle. Tu interromps quelqu'un qui est en train de parler, comment est-ce que c'est drôle ? Ah, tu vous devez être les deux intelligences artificielles que DG a mentionnées. Ami ? Dehors. Porte. Je jure sur Enox, tais-toi. Désolé. Beta est, Beta est dans une, une position embarrassante. Alors, on va juste récupérer la clé du pod 7, hein, c'est d'accord ? Tu peux l'avoir quand tu veux. Mais rappelle-toi que c'est une voie sans issue. Comment ça ? Ouais, connaissant ODG, ça ne risque pas d'être ce à quoi tu t'attends. J'ai l'impression que tu as envie de parler, Porte. Ah oui. J'ai juste envie de mentionner que Verrou et moi ne savons pas exactement ce qu'il y a là-dedans. C'est vrai, oui. Rien de ce qui est en dehors de Moriem a accès au pod. C'est seulement quand tu y entres que tu as accès. Je vois. Oui, peu importe. Sois libre d'entrer quand tu veux. Ah, attends. Ton ami Flo... Non, on ne peut pas rentrer. Tu veux dire Beta, mais pourquoi ? Ah non, je veux pas dire qu'on ne le laisse pas rentrer. Beta ne peut vraiment pas y rentrer. Même si tu rentres, en moi, Beta devra rester ici avec nous. Tu n'es vraiment pas obligé de le dire comme ça. Hein. Mais oui. C'est quelque chose que tu peux, dont tu peux parler avec EDG. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Beta ? Beta est content si tu es content. D'accord. Pauvre Beta. On va laisser Beta derrière. Tu viens voir ce qu'il y a par là. Les couleurs sont si chaleureuses. Je veux rester ici, je voulais rester ici. Non, non, non. C'est si grand. Bon allez. On va quand même aller au pod. On va en profiter pour faire la pause VOD. En tout cas, bientôt la fin. Hein. Même si bon, oui, du coup, il y a moyen de faire, de découvrir plein d'autres mondes et du coup de se balader un peu partout. C'est pour ça qu'imagine qu'il insiste autant sur le. Oh, si tu restes ici, c'est fini. Hein. Donc bon. Du coup, des bisous YouTube. Hein. À tout de suite.